J'ai regardé The Last of Us. C'était une dinguerie, j'ai besoin d'en parler. Du coup, aujourd'hui, je me suis juste dit qu'on allait se maquiller ensemble en parlant de The Last of Us. Alors, oh mon dieu, par où commencer? En fait, j'ai plusieurs disclaimers à faire dans cette vidéo. Le premier, c'est qu'évidemment, je vais spoiler toute la série, donc tout le jeu aussi. Donc si vous n'avez jamais joué au jeu, jamais regardé la série, ne regardez pas cette vidéo parce que je vais littéralement tout dire. Je préviens d'avance que ce sera 100% spoiler parce que je veux parler de la série dans son entièreté, enfin de la série et du jeu du coup. Et disclaimer numéro 2, tout ça, tout ce que je vais dire, ce ne sont que mes avis personnels. On est encore dans ce moment où quand on dit un petit peu notre avis, les gens nous disent mais t'es carrément trop conne d'avoir dit ça, pourquoi est-ce que toi, tu penses ci, ça, ça, alors que les avis sont propres à chacun, c'est super subjectif. Je vous donne juste moi ce que j'en ai pensé en me maquillant avec vous. Alors moi j'ai connu The Last of Us en... Je crois que c'est sorti en 2014, un truc comme ça. Donc du coup bah moi c'était en 2014 que j'ai dû en entendre parler parce que je regardais des let's play de ce jeu par un américain. Je pense qu'il a supprimé toutes ses vidéos mais il s'appelait Gareth Evans. C'est celui qui fait des tutos sur, sur la guitare. Vous le connaissez sûrement si vous avez déjà essayé d'apprendre à jouer de la guitare. C'est le GOAT pour apprendre à jouer, et du coup bah lui il avait une chaîne gaming à l'époque et je ne sais pas par quel hasard je l'ai suivi, enfin c'était pas un hasard du coup, mais je sais pas qu'est-ce qui a fait que j'ai suivi, parce que cette époque-là j'étais pas trop gaming en vrai, et c'était il y a tellement longtemps que j'ai l'impression que les let's play c'était pas autant, enfin aussi connu qu'aujourd'hui. Peut-être que c'est juste que je suis pas au courant de comment ont évolué les let's play et qu'en fait c'était super connu depuis super longtemps mais que j'étais juste pas au courant avant. Mais en tout cas moi je sais que quand j'ai commencé à regarder ça, c'était je crois l'une des premières fois que je regardais un let's play d'un jeu, et l'une des premières fois où j'étais intéressée par... par les jeux vidéo. Enfin moi j'ai jamais été trop jeux vidéo à part Just Dance, Kirby que je jouais avec ma cousine et ma sœur, les trucs comme ça vraiment tout con auxquels on a tous joué quand on était petit. On va dire que mes connaissances de jeux vidéo s'arrêtaient un petit peu à la Nintendo DS et du coup à Mario Kart et à Nintendogs évidemment. Ou si vous ne le saviez pas déjà, hein, je pense que vous ne le savez pas parce que je l'ai jamais dit sur cette chaîne, mais je suis une dingo, une psychopathe des films, séries, jeux vidéo sur les zombies. J'ai grandi en kiffant les trucs de zombies. Voilà, je pense que ça aussi ça explique beaucoup de ma personnalité de grosse psychopathe. Pourtant hein, si jamais un jour il y a une apocalypse de zombies, je suis la première à mourir. Mais en tout cas j'adore les regarder, même si ça fait, ça met toujours dans une ambiance anxiogène et tout, et moi qui fais de l'anxiété c'est pas forcément la bonne idée. Mais j'avais vu un truc comme quoi quand on regarde beaucoup de trucs d'horreur comme les documentaires sur les serial killers et tout ça, en général ça montre à quel point on est des personnes anxieuses parce qu'on veut réfugier notre, je sais pas comment on appelle ça, mais on veut se réfugier dans quelque chose qui nous fait peur et qui nous angoisse un petit peu, je sais pas, c'est très bizarre. Ou au contraire on y retrouve un petit peu de réconfort dans ce genre de truc. Mais bon, du coup, moi j'ai grandi sur ce genre de choses et je sais que le film qui m'a fait rentrer dedans c'était Resident Evil. Pas si connu que ça, j'ai l'impression, parce que dès que j'en parle à des gens, ils connaissent pas. Je pense que là, quand on parle de trucs de zombies, on connaît que The Walking Dead, World War Z et tout. Et le pire, c'est que quoi? Les deux, je les ai pas regardés. Donc, World War Z, avec un accent incroyable, et The Walking Dead, j'ai jamais regardé ça de ma vie. Par contre, tout ce qui est un petit peu plus niche, donc pas trop connu, en tout cas pas connu par le grand public, on va dire. Quoique, je pense que Resident Evil quand même, enfin vous savez tous ce que c'est, mais je pense que les films ont plutôt fait un petit flop, non? Alors qu'il y en avait beaucoup, peut-être 5, un délire comme ça. Mais en tout cas, ça avait un peu fait un petit flop parce que c'était vraiment pas connu, même à l'époque, genre quand j'en parlais à des gens, ils comprenaient pas. Bon, je parlais à des petits de... Je sais pas, j'avais quoi, 11 ans, donc c'est peut-être normal. Mais si jamais, enfin ça passe, c'est des films, j'ai l'impression qu'ils sont grave restés dans la mémoire des gens. Peut-être que je me trompe, hein. Du coup, si vous connaissez Resident Evil avec... ah, j'ai oublié comment elle s'appelle, Mia Horowitz, un truc comme ça, ou... Bref, je vous mettrai tous les noms à l'écran et tout, enfin toutes les affiches à l'écran. Mais du coup, si vous voyez de quoi je parle et que vous aussi vous avez kiffé, dites-le moi. Parce que à chaque fois que j'en parle autour de moi, même aujourd'hui, les gens ne connaissent pas. Je trouve ça trop dommage, même si... Les films n'étaient pas très bien faits, hein. Ils n'étaient pas incroyables. Ah mais si, si, ok, je me souviens, le 1 il était incroyable parce que c'était quand elle avait sa robe rose et les bottes. Alors, je me souviens que ça c'était devenu un truc incroyable. Donc oui, oui, ça je me souviens de sa robe et de ses bottes. Et je me souviens que bah, quand j'étais petite c'était tellement un délire cette tenue. Je voulais grandir et devenir exactement comme elle. Je le veux toujours d'ailleurs. Mais ouais, donc du coup je pense que celui qui est sorti en 2000, il était super connu et il avait fait un...
un carton. Sauf que je pense que c'est les suivants qui ont pas été tip top. Et en vrai, ça m'étonne pas parce que moi, je les aime pour le côté nostalgique, mais ils sont pas très bien faits quoi. Enfin, après, je sais pas si c'est parce que c'était il y a longtemps que c'était pas bien fait ou que le budget était moindre, mais je me souviens que j'étais petite, hein, et il y avait, je sais plus, c'était Resident Evil combien que mon père avait téléchargé et que du coup on pouvait regarder tout le temps. Dans ce Resident Evil là, c'était celui où elle était à Tokyo. Donc pour les connaisseurs, vous voyez un petit peu c'est lequel. Pour moi, c'était le meilleur d'ailleurs. Peut-être parce que je l'ai regardé 3000 fois et que je le connais par cœur. Mais du coup, dans ce film là, bah, toujours tenue de meuf badass, elle porte des bottes à talons compensés. Et je sais que quand elle joue et qu'elle n'est pas en train de se battre, les talons faisaient genre cette taille là. À quelle heure, à une dans une apocalypse de zombies, tu portes des talons compensés de cette taille-là? Enfin, je sais que c'est pas censé être réaliste, hein, enfin, on pense à un truc de zombie, mais je veux dire quand même. Mais quand il y avait des scènes de combat, bah évidemment, comme par hasard, les talons faisaient cette taille-là. Et ça, j'avais remarqué quand j'étais petite. Donc pour vous dire à quel point ces films sont pas très bien faits pour que une gamine de 10 ans le remarque. Je veux pas non plus trop cracher sur ces films tellement je les ai aimés. Genre franchement, les Resident Evil, c'est toute mon enfance plus mon adolescence, et ça a déclenché en moi cette obsession envers les films et séries de zombies. Enfin, je dis ça obsession, la meuf elle a jamais regardé The Walking Dead, hein, mais on en parlera pas. Et c'est du coup cette obsession là qui m'a conduit à regarder ce let's play. Mais par contre, je sais pas du tout pourquoi est-ce que je l'ai regardé, parce que je savais pas c'était quoi The Last of Us avant de regarder, je pense. Donc bon, ma curiosité m'a emmenée dans des bons chemins, parce que j'ai surkiffé, enfin, je n'ai jamais joué au jeu parce que je n'ai jamais eu de PS4. Je pense que c'est la PS4, PS3, bref. Je ne m'y connais pas du tout en console, tout ce que j'avais c'était une Wii. Mais du coup, je n'ai jamais joué de moi-même au jeu, mais je l'ai découvert à travers un let's play. Et j'étais pareil, obsédée par ça, je rentrais des cours et je regardais ça. Pendant genre des heures, en prenant mon goûter, je regardais des trucs de zombies là, après avoir passé une journée de merde au collège. Et du coup, comme j'ai dit, je le regardais sur la chaîne de l'américain Gareth Evans. Je pense qu'il a supprimé parce que j'ai essayé de retrouver ses vidéos, mais je les ai pas trouvées, donc je pense qu'il les a supprimées ou qu'il a supprimé sa chaîne gaming. Mais en tout cas, j'ai surkiffé jouer avec lui. En plus, c'est en anglais, donc du coup, j'avais vraiment la VO. Je suis trop contente, trop fière de moi d'avoir eu la VO. Genre, en mode ok, c'est bien, genre j'ai découvert ce jeu comme il fallait le découvrir. Parce que je déteste les VF. Pour moi, ça c'est un truc, ça me met mal à l'aise, ça me fout le cafard quand je vois des, enfin quand j'entends de la VF. Quoique, en vrai, des fois, elle est très bien faite. Hein. Je me souviens que j'ai grandi sur Gossip Girl en VF et j'ai bien aimé. Donc limite, j'étais fan de la voix de Serena. Elle avait une voix un petit peu cassée, mais oh, j'aimais trop. Là, j'ai regardé, bah du coup, pour faire cette vidéo et pour bien comparer la série au jeu, j'ai re-regardé le jeu, enfin des let's play du jeu, mais avec Henry, donc Henry live. Et bah du coup, j'avais la VF, et la VF, elle est pas ouf, hein, dans The Last of Us. Surtout qu'il y a un moment, pardon, je suis sans dessus dessous, hein, je ne dis pas les choses dans l'ordre, mais il y avait un moment dans le jeu et dans la série, où il dit « I sure as hell am not your dad ». Et ça, ils l'ont traduit en « Je ne suis sûrement pas ton père ». Je ne suis sûrement pas ton père, ça veut dire autre chose, hein. Ça veut dire peut-être que je suis pas ton daron. Sauf que là, I sure as hell am not your dad, c'est genre, et certainement que je suis pas ton père. Pardon, j'étais obligée de faire la prof d'anglais sur ce truc-là, mais ça me tenait à cœur. Dans ma vie, tout ce qui me touche, bah, c'est ce qui, logiquement, m'a fait ressentir beaucoup d'émotions. Et moi, c'est pas très difficile, en vrai, de me faire ressentir des émotions. Mais je veux dire, il y a des choses comme ça qui me touchent plus que d'autres. Et bah, les films comme Resident Evil, ce jeu-là, ça m'a vraiment marqué, genre vraiment. Et je pense qu'il y avait déjà des rumeurs dessus sur le fait que ça allait devenir une série ou un film. Et j'étais en mode, mais j'attends que ça, en fait. J'attends que ça. J'avais 14 piges et je me disais, mais quand, genre quand, je veux le voir, ça va être trop bien. Et en plus, bah, je pense que ce jeu, il me tient encore plus à cœur, même si j'y ai jamais joué. Mais je me souviens que je voulais grave m'acheter une PS3 ou PS4, du coup, Xbox. Je sais pas comment on dit. Mais j'avais une Xbox quand j'étais petite, je jouais à Shrek. Bref, mais ouais, du coup, je voulais m'acheter une console juste pour jouer à ce jeu. Et j'étais même allée dans une boutique où ils vendaient des jeux en... Comment on dit ? En occasion, et je voulais grave l'acheter alors que j'avais pas la console, juste pour l'avoir, vous savez, genre juste pour me dire genre j'ai le jeu. Je l'ai pas fait, heureusement, j'ai économisé mon argent quand même. Mais du coup, ce jeu, il me tient encore plus à cœur, non seulement parce que l'histoire est incroyable, le jeu m'avait l'air fou, le graphisme était dingue aussi, les dialogues, bah, dingo genre. Les personnages trop bien joués, enfin tout, c'était un sans faute quand je l'ai vu vraiment, c'était, enfin quand j'ai vu les let's play, c'était un sans faute, je suis tombée amoureuse. C'était le début de
mon amour pour les let's play de jeux d'horreur. Genre pas forcément de zombies, mais les jeux horreurs. Enfin pas tous les jeux horreurs par contre, mais les jeux d'horreur du style ceux qui viennent de Dark Pictures, les trucs comme ça. Donc moi je regarde principalement, pas que, mais principalement ceux de Squeezie. Parce que je m'y connais pas trop en streamer, en gamer, etc. Donc je suis le plus connu logiquement et franchement je kiffe comment il joue. Donc ça me convient très bien. J'attends toujours avec impatience ces vidéos jeux horreur et à chaque fois c'est... Enfin let's play jeux d'horreur. Et à chaque fois c'est ceux que je regarde mais comme si ma vie en dépendait genre. Et logiquement vu que c'est le premier, c'est celui qui me tient le plus à cœur quoi. C'est vraiment celui comme j'ai dit qui m'a rentré dans le game et donc du coup j'étais trop excitée, trop contente à l'idée que ça sorte en série. Par contre, je l'ai regardé grave tard parce que je viens de la finir hier ou avant-hier. On est en avril quoi, alors que c'est sorti je crois en janvier, un truc comme ça. Et c'est que maintenant que je l'ai regardé. Mais j'ai une bonne excuse et c'est parce que moi il m'en faut pour me mettre devant une série. Parce que je ne sais pas que j'aime pas les séries, mais c'est juste que c'est long quoi. Enfin vraiment une série où il y a une heure par épisode, ça me prend et en plus c'est des histoires quand même tristes. Faut être dans le mood hein, pour supporter autant de tristesse et autant de trucs anxiogènes justement. Et j'étais pas vraiment dans ce mood là, donc j'ai pris mon temps avant de regarder. Mais au bout d'un moment je me suis dit, j'avais entendu quelqu'un m'en parler, j'étais en mode ok faut absolument que je le regarde là. Et je ne suis absolument pas déçue. Au contraire, quand je regardais la série, j'étais juste devant ma télé en mode... Et ça m'arrive pas souvent d'être comme ça, hein. Enfin vraiment, alors que surtout je connaissais l'histoire. Et bon après quand je dis que je connaissais l'histoire, en vrai oui et non parce que ça faisait tellement longtemps et je m'étais pas du tout fait un rappel avant de regarder la série, du coup en vrai je m'en souvenais plus trop, mais tant mieux parce que ça a fait que j'ai limite pu redécouvrir le truc sous déjà mon œil de personne adulte et en plus sous une autre forme et tout, donc franchement c'était quand même super cool. Et en plus par moments ça me rappelait de ouf du coup des souvenirs de quand j'avais 14 ans vu que y a des scènes qui ressemblent, enfin c'est pas qu'ils ressemblent, c'est qu'ils sont identiques parce qu'ils ont repris les mêmes dialogues et tout, et dès que ça se passait je me disais ah ça je sais que c'est dans le jeu, genre je sais que c'était vraiment comme ça, que ça s'était vraiment fait comme ça et tout. C'était une super expérience de replonger dedans après ne pas en avoir entendu parler pendant si longtemps. Mais déjà on va parler du casting qui était incroyable, enfin vraiment rien à dire, pas des jeux d'acteurs bizarres, genre vraiment ils les ont trop bien choisis. Et le pire c'est qu'au début j'étais pas trop sûre pour Ellie, donc le personnage principal je me suis dit je sais pas, elle a l'air un petit peu... plus renfermée peut-être, la Ellie du film, de la série, comparée à la Ellie du jeu qui a l'air limite toute mignonne, toute innocente et tout, alors que là elle avait un air déjà très forte, on va dire, très caractériel. Et au début je me suis dit peut-être que ça va pas fonctionner, mais finalement c'était limite mieux je trouve, et c'est une actrice tellement dingue que franchement rien à reprocher non plus. Pedro Pascal, incroyable, et je préfère d'ailleurs le... Joel, parce que je l'ai regardé en anglais, le Joel de la série plutôt que celui du jeu, parce que je trouve que celui du jeu il était un petit peu trop, enfin pas assez mystérieux, même si bon je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, ça dépend de la vie de tout le monde je pense. Moi je trouvais que c'était mieux qu'il le soit vraiment, encore plus l'air enfermé que dans le jeu. Globalement au tout début quand j'ai commencé la série, j'étais directement dans le truc, imprégnée, j'étais en mode mais c'est dingue, ils ont fait tellement de scènes qui ressemblent à un jeu vidéo, pas forcément au jeu vidéo de Last of Us mais juste à un jeu vidéo, vous savez les grands plans ou des plans de point de vue ou les plans de dos, enfin où on les voit de dos etc, enfin c'est vraiment des scènes qui rappelaient tellement le jeu et j'étais trop contente qu'ils aient tellement honoré le fait que c'était un jeu vidéo. Mais outre ça, au début, je me disais quand même, bon le jeu vidéo, même si je m'en souviens pas de ouf, il était mieux quand même, enfin il y avait plus ce côté, logique, jeu, où, je sais pas, ça avait l'air plus dans l'action, alors que là peut-être ça prenait un peu du temps, c'était un peu long, etc. Mais au fur et à mesure de la série, je me suis dit franchement c'est pas plus mal qu'ils aient grave pris leur temps. Par moment, parce que dans le jeu logiquement il y a plus d'action parce que quand tu joues tu fais que te battre avec des zombies, tu fais que tirer sur des gens et tout, mais là je pense que ça aurait pas été intéressant de montrer 3 millions de scènes où ils se battent contre les zombies, genre oui quelques-uns c'est cool mais trop c'est relou aussi, enfin surtout que je pense sincèrement que le but de l'histoire
c'est pas forcément d'être juste sur Apocalypse Zombie. C'est pas juste ça. Je pense que s'ils auraient que joué sur ça, ça aurait été dommage. Alors que là, justement, dans la série, je trouve qu'ils ont grave bien joué sur l'émotion, sur les histoires, l'humanité qu'il y a derrière tout ça. Parce que je pense que c'est... Ça, c'est mon avis, c'est mon analyse, on va dire. C'est que, en vrai, toute l'histoire repose sur les liens humains, en soi, entre, surtout, Joel et Ellie. Et mais tout ça, c'est aussi pour montrer que finalement, sur leur chemin, les plus grands ennemis qu'ils avaient, c'était les autres humains, au final. Enfin, c'est ça qui était super intéressant, c'est le fait que nos pires ennemis, au final, ça reste les humains, quoi. Et moi, j'ai bien aimé cet aspect-là. Et le fait de, justement, encore une fois, pas non plus forcer sur les zombies et de vraiment montrer que les humains, ils cassent les couilles aussi. Et que c'est contre eux que c'est compliqué parce que, justement, on perd de ouf d'humanité. Et enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Après peut-être que c'est vraiment juste ma lecture à moi et que c'était pas du tout ce qu'ils voulaient faire, mais moi du coup j'ai vraiment vraiment surkiffé le fait qu'ils forcent pas non plus avec les zombies quoi. Mais ouais du coup bref, je reviens sur le fait qu'au début je pensais que c'était un peu lent, sauf qu'au final, comme j'ai dit, je trouve que c'était nécessaire et de toute manière en série, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils auraient fait que de l'action, action, action, sachant que c'est quand même une histoire qui est censée être juste très triste et pas forcément... comment dire, stressante comme le jeu, quand on joue au jeu on est stressé, alors que là quand on regarde la série on est plus touché de ouf. Et bon, dans le jeu on a les deux quand même, hein. On a un ouf, c'est des montagnes russes ce jeu. Et ce que j'ai surtout kiffé c'est finalement qu'on ait genre mille fois plus d'histoire logiquement dans la série, parce que il y a eu le temps de parler de... du background, par exemple même d'Ellie, de voir sa mère accoucher, de voir quand elle s'est fait mordre, avec qui elle était, de présenter du coup Riley avec qui elle s'est fait mordre, de voir Billy et Frank qui étaient des personnages tellement en limite secondaires de ouf dans le jeu. Enfin ça a duré 30 secondes le fait de présenter Frank et il s'était juste pendu, je pense que c'était juste ça, on est bien d'accord. Alors que là d'avoir vraiment montré leur histoire c'était super touchant, super beau. Mais du coup de vraiment pouvoir voir l'histoire de beaucoup de personnages et beaucoup plus dans la profondeur, c'était super agréable je trouve. Et ça renseignait encore plus en fait l'histoire que ce que j'ai dit, en fait l'humanité derrière tout ça, enfin... C'était vraiment vraiment super intéressant je trouve et une super bonne idée. Après d'un côté je comprends pourquoi ils n'ont pas fait ça dans le jeu, hein. Ça aurait duré 3 millions d'années déjà, je pense que le jeu est assez long comme ça. Là ça aurait été interminable s'ils auraient montré les backstories de tout le monde. Mais en tout cas c'est bien qu'ils aient pris cette opportunité pour le faire et qu'ils l'ont si bien fait surtout. Genre ça a été tellement bien expliqué et tout. Non seulement Bill et Frank mais aussi... comme j'ai dit quand Riley et Ellie se sont fait mordre, mais c'était tellement un bel épisode celui-là aussi. Et d'ailleurs, en parlant de Ellie et Riley, est-ce qu'on peut parler juste des meufs en fait dans cette série et dans le jeu? À chaque fois je vais devoir préciser jeu et série, mais je trouve, ça c'est pareil, mon opinion, à voir si vous êtes d'accord, parce que ça je pense pas que tout le monde le soit, mais je trouve qu'il y a une très bonne représentation des femmes dans la série. Bon, après très bonne représentation oui et non, parce que au final elles finissent toutes die, genre elles sont mortes au final, donc je sais pas si c'est une très bonne représentation, mais je veux dire dans leur personnage ils ont que représenté des meufs badass de ouf. Il y a juste Kathleen dans la série mais qui n'était pas du tout dans le jeu, qui a un peu fucked up ce côté là de meuf badass. Enfin, quoique elle était badass de ouf, c'est juste qu'elle était dans le mauvais côté des badass, elle était... c'est une psychopathe cette go. Et maintenant je vais poser la question à laquelle vous attendez évidemment, c'est: vous, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Joel à la fin? Et je vais vous dire du coup mon avis dessus, c'est que en vrai j'aurais moi eu une décision qui est égoïste aussi mais de l'autre sens. Je vais vous expliquer. J'aurais entre grosses guillemets abandonné Ellie et je pense que le seul truc triste c'est qu'elle n'ait pas été mise au courant par contre. Je pense qu'elle aurait dû être mise au courant parce que je pense que dans la série ils l'ont pas dit, enfin ils l'ont pas dit à Ellie quoi, qu'elle allait mourir après ça, et je trouve que ça se fait pas, c'est quand même le prendre sa vie contre son gré quoi. Donc ça c'est problématique, mais si elle était au courant et que je lui aurais dit ou un truc comme ça, enfin bref on imagine tous les scénarios possibles, honnêtement j'aurais laissé faire, mais avec quand même un truc égoïste, c'est-à-dire que c'est pas forcément pour sauver le monde, enfin bon si, il y a une grande partie quand même où je serais hyper contente et je me dirais enfin, sauf que il y aura juste aussi un côté de moi où je me dis je ne suis pas prête à tuer tout le monde dans les Lucioles, enfin dans les Fireflies, pour récupérer Ellie et après lui mentir. Donc moi, je ne supporte pas les mensonges en fait, donc du coup je l'aurais
J'aurais trop eu de culpabilité en fait face à Ellie. Et déjà la fin, vous voyez très bien ce que vous avez ressenti quand elle lui a dit jure-moi que c'est vrai ce que tu m'as dit, qu'il lui a dit je te jure. On était en mode ah. Du coup je trouve que la scène de fin dans la série, comparée à dans le jeu, parce que dans le jeu c'est nous, enfin c'est les joueurs qui tuons tous les Fireflies, et limite quand on le fait on se pose pas de questions, on dit juste c'est l'ennemi. Alors que quand on regarde la série, vu qu'ils ont mis une musique dramatique à la mort derrière, on a vu un Joel, bon je vais arrêter de dire Joel parce que je pense que ça va vous saouler, un Joel qui a genre pas de... il a plus d'émotion quoi. Le mec il tue facilement de ouf, et ils l'ont super bien montré dans la série, vraiment un jeu d'acteur dingue. Mais du coup je pense que dans le jeu, je me souvenais pas de cette culpabilité parce que justement c'était les joueurs, enfin c'est nous qui avons encore une fois tué tout le monde et on s'est pas dit que c'était pour le mal. Nous-mêmes, on se disait bah je veux récupérer Ellie en fait. Après, il y avait un peu ce côté culpabilité mais je m'en souvenais pas. En fait, je me souvenais pas de la fin carrément. Donc j'étais contente de le redécouvrir et d'avoir vraiment des vraies réactions de... enfin, face à ça. Mais du coup, vraiment le fait qu'il ait tué tout le monde et qu'on se dise, enfin, c'est tous des amis de Marlène, c'est tous des gens gentils, qu'il ait tué Marlène en plus deux fois. Là, on se commençait à poser des questions quand même. On se disait, ah ouais, est-ce qu'il a vraiment fait la bonne décision? Enfin, qu'est-ce qu'il en a joué à quoi, là? Alors que franchement, ils ont réussi à me faire faire un ascenseur émotionnel, hein, parce que dès que, quand ils sont arrivés à l'hôpital, quand Marlène lui a dit, bah du coup, Ellie, elle va aller en chirurgie, là, enfin, en opération, elle est prête, etc. On lui a pas dit, moi j'étais en mode, mais ça va pas ou quoi? Va la chercher. J'étais trop contente, j'étais en mode, ouais, tue les tous. Ah, mais attendez, ok, je me souviens, dans le let's play, dans le jeu, ils avaient mis des vocaux, en fait, des enregistrements, si vous vous souvenez, de Marlène qui parlait, enfin, qui faisait culpabiliser même le docteur, qui disait on a enfin trouvé un vaccin, etc. Incroyable. C'était l'autre côté pour nous faire culpabiliser pendant qu'on tuait tous les Fireflies. Ok, ça je m'en souviens. Et ça du coup ça a été super bien retranscrit par juste la scénographie en fait, la mise en scène, la musique, le jeu d'acteur de Pedro Pascal, enfin incroyable. Donc du coup ouais, en vrai je pense que dans le jeu et dans la série ils ont voulu nous faire culpabiliser, mais je pense que ça marchait plus dans la série que dans le jeu pour le coup. Et d'ailleurs, j'aimerais tellement voir Squeezie jouer à The Last of Us. Je sais qu'il avait fait avec Cyprien Gaming à l'époque, mais c'était des vidéos hyper rapides et limite sont à peine jouer au jeu, quoi. Du coup, j'aimerais trop le voir, genre vraiment jouer sérieusement au jeu. Mais bon, voilà. Et c'est que récemment que j'étais au courant qu'il y avait un 2. Donc merci Leslie de me l'avoir dit. Leslie, mon amie. Parce que j'étais pas du tout au courant. Je pense que ça m'avait traversé l'esprit à un moment. Je pense que j'avais vu sortir The Last of Us partie 2. Sauf que j'étais en mode, oh, ok. Mais là, de savoir qu'il y aura... du coup une saison 2 et qu'il y a des let's play que je peux regarder dès maintenant sur la partie 2, enfin j'ai trop envie maintenant. Enfin, limite là j'ai pas trop envie de voir la série, j'ai plus envie de voir les let's play pour le coup, d'abord. Parce que en vrai, moi les saisons 2 des séries en général, pas toutes, genre les séries comme Modern Family, Friends, The Office, il peut y en avoir 3 millions, je serais trop heureuse, mais des séries comme ça, dark et sombre. Par exemple, je sais que Euphoria, la saison 2, elle m'a pas transcendée et ça c'est grave controversé parce que tout le monde l'a kiffé de ouf la saison 2. Mais moi honnêtement, j'étais pas trop fan, en tout cas j'ai préféré la première. Et en général, je trouve que quand on va de saison en saison dans les séries dark comme ça, ils vont trop loin. Comme 13 Reasons Why, ils sont allés trop loin. J'ai arrêté après la première saison, j'ai commencé la saison 2 et ça m'a vite saoulée. Genre je me suis vraiment dit, mais ils y vont où là? What the fuck? Limite demain il y aura des zombies qui vont venir dans 13 Reasons Why aussi. Enfin, ils sont allés trop loin. Et là j'ai peur que ça fasse la même, sauf que d'un côté je fais confiance au fait qu'il y a un jeu, enfin The Last of Us 2 qui était en jeu, et je fais confiance au fait que le jeu doit être bien. Donc je vais regarder les let's play de la partie 2 en attendant que la série sorte, et en tout cas c'est sûr que je la regarderai, mais je suis pas non plus... j'ai pas hâte de voir la série. J'ai juste hâte de voir l'histoire vite fait à travers le jeu, mais regarder la série après faudra voir à quel point j'aurais aimé le let's play ou pas, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas dites-moi si je suis la seule à pas du tout aimer les séries à rallonge quoi, enfin parce que du coup moi je considère que c'est des séries à rallonge, les gens considèrent que c'est des séries normales genre. Moi, enfin j'aime pas quand ça dure trop longtemps, moi j'adore les séries limitées, ça c'est trop mon truc, d'ailleurs ma série préférée, et j'ai envie de vous en faire une vidéo à part entière carrément, genre là... j'en ai envie parce que c'est une série qui me tient trop à cœur, c'est la série Maniac qui est sur Netflix. Je vais vous en faire une vidéo à part entière, mais en tout cas cette série c'est une série limitée, donc à 10 épisodes, il me semble 10 ou 9, qui est tellement incroyable et heureusement qu'elle dure qu'une saison. Justement pour moi c'est ça qui est beau dans les séries, c'est quand elles sont limitées, parce que comme ça on part pas trop loin, on s'arrête quand faut s'arrêter, c'est juste on va dire un film
plus long, mais pas un film qui dure 80 000 ans. Mais du coup, voilà, je pense que j'ai tout dit. Enfin, ça se trouve, j'ai manqué des trucs, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette série et sur ce jeu. Dites-moi, vous, du coup, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi, pas du tout d'accord. Je suis pas du tout, genre, une gameuse ou quoi, genre, j'ai jamais joué au jeu, donc mon avis, il s'arrête au fait d'avoir regardé des let's play. Hein. Mais en tout cas, c'est un truc qui me rend trop heureuse. En vrai, j'ai fait une licence au cinéma audiovisuel. Ça m'étonne que je l'ai pas dit au début de la vidéo, parce que je le place là où je peux le placer, tellement la licence aujourd'hui ne me sert plus à rien, à part juste faire genre j'ai une licence de cinéma audiovisuel. Donc j'ai une licence cinéma audiovisuel, donc ça veut dire que je suis quand même un petit peu qualifiée pour parler de film. Pas du tout. J'ai genre 10 sur 20 en analyse filmique, alors que moi j'ai l'impression de sortir des dingueries. Voilà, j'ai enfin fini de parler, ça a duré 3 ans. Bah du coup, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine, et je vais vraiment vous faire hein, la partie 2 d'être dans sa vingtaine, parce que je vous mets la partie 1 dans le petit i, mais je vous avais dit que du coup c'était la partie 1, qu'il y aura une partie 2, je vais vraiment la faire. C'est juste que là je voulais être spontanée et parler d'un truc qui me prenait le cœur là ces derniers temps. Et je vais aussi vous faire celle sur l'autodiscipline dont je vous ai parlé aussi dans la dernière vidéo. Du coup, peut-être les prochaines, je vous promets rien parce que je vous fais des bisous et à la semaine prochaine.